hello again. i'm richard pena, a professor of film and media studies at columbia university, and i have the pleasure and honor of being part of this series called conversations with french filmmakers. and i'm really happy to be here with rebecca zlavatsky to talk about her work. rebecca, welcome. merci, bonjour. talk about your first uh, feature, uh, le bilipin. how did that idea come about, and how did you get it to the screen? Alors, donc c'était mon film de fin d'études. Ce producteur, Frédéric Jouve, regardait comme ça faisait son travail, qui était de regarder un peu les jeunes euh, scénaristes qui sortaient. À l'époque, je ne voulais être que scénariste. Sauf que le scénario est très mauvais, de <laughs> bel et bien, ça ouais. n'a d'intérêt que si on le réalise. C'est un scénario très, j'allais dire, euh, antonionien, quoi. Il y, y, y a très peu d'enjeux de péripéties, il y a très peu d'enjeux euh, de psychologie euh, assumée dans le film. Et c'est vraiment un... Voilà un process climatique, c'est un film, un coming of age très personnel. Bref, très rapidement, ce producteur m'a dit Ça m'intéresse, mais le scénario n'a aucun intérêt, c'est l'idée que tu puisses le réaliser. Et donc, il m'a convaincu de le faire. Et c'était un film qui était né d'une manière très pudique, comme souvent chez moi, j'ai je, je, euh, honte de raconter des choses trop personnelles. Donc, euh, je commence par un détour et j'étais tombée sur le journal intime de quelqu'un dans la rue. J'ai me baladé dans le 13e arrondissement à Paris, c'était mon quartier d'enfance, et il y avait une, un déménagement, et dans le déménagement d'une chambre, évidemment, euh, en tant que, que scénariste, cinéaste, on est des vampires de, de, de toute cette intimité, <laughs> j'allais dire des poubelles, des poubelles des gens. Mais oui, et donc j'ai regardé comme ça, et j'ai vu une sorte de petit cahier Clairefontaine, qui est une marque banale en France, euh, mmh, oui. des colliers, mmh. et, de, et en fait, avec une, une écriture d'une fille de 15, 16, 17 ans, il y avait son journal intime, ça a été le point de départ de ce film à partir duquel j'ai raconté ma propre intimité. Ouais. Donc, so really ah oui. oui. il your y own. avait des photos, il y avait des photos de mecs avec des bécanes, des petites euh, mobilettes. Il se trouve que moi j'avais toujours aimé euh, les machines, les motos, mm -hmm. que mon père était motard, mais j'ai <laughs> fait une psychanalyse bien longtemps après. Mais euh, donc voilà, j'ai toujours aimé les motos. Ça m'a amené, le, le, le journal intime était situé dans une certaine zone géographique de la banlieue parisienne. Ça m'a mm -hmm. amené à faire tout un, toute une recherche autour de, autour de cette banlieue qui était euh, riche, prolixe. En épisodes excitants, en, épisode, euh, excitant, en, en cachettes et, mm -hmm. et en, et en promesses. Et donc c'est devenu le film. Talk about your creation of the character Prudence, because she's such an extraordinary figure. And of mm -hmm. course, you have a wonderful performance by Lea Sadu mm -hmm. in that role. for me it's rare since i see a lot of movies that i watch one where i have no idea what the character will do next <laughs> that she seemed kind of so contradictory chaotic even but in a way that kind of always kept me glued to what she was doing. peut-être c'est drôle que vous parliez du fait que c'était imprévisible parce que au moment où je vous parle de belle épine je me rends compte que j'oublie une chose très importante. Et qui a été vraiment au cœur de, de, de l'écriture du film, c'était mon rapport à Lodge Kerrigan. Mmh. Lodge Kerrigan a été quand, quand j'étais donc étudiante, à la, en fin d'année, on avait le droit d'avoir un tuteur, un mentor, ou d'aller chercher un réalisateur qui nous plaisait pour nous, pour nous, voilà, pour nous enseigner quoi, pour nous, nous guider. Et j'avais choisi Lodge Kerrigan. Et Lodge je sais pas, Je crois qu'il était venu enseigner à la Fémis. C'est pour ça que c'est important ces écoles. Oui. C'est pour ça que c'est important ces, ces trajets d'enseignement, mm -hmm. ces, ces ces transmissions là. Yeah. Et donc j'avais rencontré. A poop for the film ben, here today. On a la possibilité quand on ne connaît pas, <laughs> voilà, euh, quand on quand on n'est pas introduit par nos familles, par nos par nos sociabilités au début, quand on est voilà, euh, ça nous donne la possibilité en tous les cas de, de voilà d'aller chercher ceux qui nous passionne. Donc, euh, et, et Lodge Kerrigan, j'étais allé aux États-Unis à, à New York pour le, le, le consulter comme un oracle et j'avais passé une semaine comme ça à réfléchir au film. Et il m'avait justement dit, je crois que j'arrivais avec beaucoup de trucs artificiels sur le film, comme euh, n'importe quel euh, novice, quoi, comme quelqu'un qui savait pas écrire. Et encore aujourd'hui, je fais tout, toujours ces erreurs-là, il faut toujours que je fasse attention. Et il m'avait dit, mais, mais que ferait ton personnage Le scénario, tu t'en fous, le truc le plus important, c'est, voilà, choisis ton personnage et suis là. Essaye de la suivre, essaye de la suivre, essaye de... Alors ça paraît très banal, évidemment, il m'en voudrait beaucoup de résumer sa pensée comme ça, mais... Et en vérité, voilà, Donc et ça nous amène à, à, à essayer d'être loyal envers nos personnages, et de ne pas avoir de désir de scénariste, y compris de désir euh, moral, éthique, tout ça sur ces questions-là, mais de, de suivre de manière loyale le personnage, et ça amène peut-être parfois, de temps en temps, un peu d'imprévisibilité, euh, mmh. comme on l'est tous c'est des qui dit aussi euh, euh, il aimerait une espèce de front de libération des personnages. Mmh. les personnages n'ont pas à être cohérents. Mmh. les personnages n'ont pas à être euh, euh, compréhensibles de bout en bout. souvent vous et moi mmh. agissons de manière inattendue pour mmh. les gens qui vivent avec nous, pour nous-mêmes. Mmh. et, et c'est beau de le, de le respecter quand on écrit un personnage de fiction. donc voilà, c'est venu de là. mais après, en vérité, c'était le lien, la juxtaposition entre cette fille fantasmée de ce journal intime, l'extraordinaire émergence de léa Sedou dans le paysage du cinéma qui pour moi était comme un, un mystère à déchiffrer et une part très intime du récit de, 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 de la femme que j'avais été de la jeune fille que j'avais été qui avait perdu euh, sa mère très enfant et qui avait, qui avait gardé ça comme euh, une espèce de trésor euh, douloureux une belle épine mmh. As someone who really began and continues to be a screenwriter, very involved, first I'm wondering about, uh, I think in all of your films, you have co-written them. You have someone who comes on with you. Could you talk about that process of what it's like to work with another writer on a oui. screenplay? Oui, je peux d'autant mieux en parler que j'ai changé. <laughs> que ça change, qu'en fait, en vérité, les, les, nos modes de fonctionnement sont pas immuables. Et, euh, et donc j'ai découvert ce que... Enfin, j'ai un point de, de, de comparaison. J'ai commencé par à, à, à écrire toujours avec quelqu'un, d'abord parce que j'étais la scénariste du réalisateur. <laughs> donc, vous voyez, c'est-à-dire en tant que ma formation est une formation d'auteur, mm -hmm. de, 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 de scénariste. Et aujourd'hui, j'ai toujours du plaisir à écrire pour d'autres. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, là, je travaille avec Audrey Diwan sur une adaptation d'un nove... mm -hmm. un, 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 un film pour elle. Donc c'est toujours... Un... J'ai écrit pour Teddy Lucie Modeste, j'ai écrit avec Antoine D'Agata, j'ai écrit avec Philippe Grandrieux. Euh, j'ai écrit avec Jean-Claude Brissot, qui avait été mon prof à la FEMIS. Donc j'ai toujours eu le plaisir d'être la scénariste. Donc ça, c'est un process d'écriture à deux, j'ai envie de dire. Si on enlève moi de l'équation, euh, voilà, je, je ne fais pas partie du truc. Mais quand je suis réalisatrice, euh, peut-être d'abord, dans un premier temps, je me disais, euh, c'était comme un plaidoyer pro-domo. Je me disais, moi, en tant que scénariste pour des réalisateurs, je sais que je suis utile. Donc en tant que réalisatrice, j'aurais sans doute besoin d'un scénariste et puis j'ai fait des rencontres j'ai eu une rencontre très importante avec Gaël Massé qui a écrit deux de mes films et qui a toujours été assez présente euh, quelque part voilà autour de moi euh, c'était important de, de penser très tôt la dimension collective du cinéma je pense que quand on se retrouve sur un plateau après d'abord euh, on est le seul à pouvoir ne savoir rien faire hein, en tant que réalisa le réalisateur peut ne savoir rien faire mais on a besoin d'avoir à un moment médiatisé mmh. ce qu'on désirait. Mmh. Et je pense que le seul talent, si on doit en avoir un, c'est de savoir parler, c'est de savoir exprimer ce qu'on veut, c'est de savoir cerner son désir, y compris son dégoût, euh, de savoir ce dont on ne veut pas et ce dont on veut. Et ça, quand on est seul, il y a des réalisateurs qui arrivent très bien à avoir ce dialogue, euh, j'allais dire, schizophrène seul. Euh, moi qui ai <laughs> beaucoup d'autres psychoses et de névroses, celui-ci, je ne l'ai pas. Et donc, j'aime bien en parler. Aussi, d'un point de vue purement... Euh, euh, j'allais dire euh, trivial, euh, séculier. J'aime avoir rendez-vous avec quelqu'un le matin. Mm -hmm. J'aime, me... j'ai besoin de ça pour me lever, <laughs> sinon je reste dormir. <laughs> Quand on écrit seul, on est, on est parfois un peu plus rapide, parce qu'on n'a pas à attendre le planning de l'autre, on a pas, voilà, et parfois un peu plus droit. Mm -hmm. et, et et pour certains, les deux derniers films que j'ai faits, qui étaient des films plus légers et et plus privés, j'allais dire, les faits de les écrire seul m'a aidé. For me, uh, kind of odd, you know. Uh, how could you say setting? You know, the idea of a nuclear waste, you know, kind of facility attached to a nuclear reactor. Why did you choose that particular place? And did you learn anything when you found that location, or about the world that mm. these people live in? <laughs> ça m'excitait. <laughs> C'était interdit. C'était secret. C'était transgressif. Uh, ça n'avait pas été montré. Je n'en avais pas de représentation. J'avais pas le, le. Comment dire Peut-être j'avais. J'ai trouvé ça plus modeste, finalement, d'aller faire d'aller chercher un lieu que personne ne connaît, plutôt que de se dire on va aller voir un commissariat, euh, un lycée. Aujourd'hui, je pourrais le faire, le commissariat, le lycée, le, parce que. Alors que ça a été très filmé par des gens qui ont plus de talent que moi. Mais la, la centrale nucléaire, c'était clean, c'était vierge. Personne n'y était vraiment allé. Je pouvais faire un peu ce que je voulais. Donc voilà. Il y avait une excitation de la transgression, comme comme Belépine a été un, un lieu. Il y avait un circuit de moto clandestin ouais, dans Belépine, ouais, ouais. ça m'excitait. Euh, on pourrait parler hein, de la dimension phallique aussi de ces, ces lieux-là et d'une certaine euh, peut-être euh, d'une certaine de la, de, la, de la réalisatrice plus jeune que j'étais, euh, femme, qui était aussi qui peut-être pensait que pour euh, mettre complètement les mains dans mon industrie, il fallait que je sacrifie à une certaine dimension phallique des sujets et mmh. ou des lieux. Peut-être, mais ça, je me le dis aujourd'hui maintenant. Ouais. Mais en vérité, à l'époque, juste, ça m'intéressait comme ça m'intéresse toujours maintenant. Et euh, donc voilà, c'était comme une porte qui s'ouvrait sur l'inconnu. Et ensuite, évidemment, il y avait une métaphore au cœur de cet inconnu qui me permettait moi de, de fantasmer un film avec lequel j'étais en parfait accord. Et la métaphore, c'était la toxicité euh, invisible mm -hmm. euh, et qui était totalement liée à la, à la question de cinéma qui me hantait. Mm -hmm. Pour moi, le cinéma m'amenait... À regarder ce qui circulait entre nous, ce que euh, Nathalie Sarraut appelle les tropismes. Ce qui, Je vais être un vrai cliché de française. On a <laughs> cité des pléchins, Il me manque Roland Barthes, Pierre Bourdieu. Tout, non, mais parce que c'est des gens qui nous ont. Bah, c'est vrai qu'ils m'ont oui. fabriqué. Mais donc, dans les tropismes, dans ce qui vole entre les gens, le cinéma doit être un, un outil. Euh, en tous les cas, il me semble que c'est le champ de la représentation mmh. qui le filme le mieux, qui l'approche le mieux. Mmh. Et donc, je mettais ça au carré. Je me disais, on va ouvrir une porte. Qui est comme ici, sauf qu'on va dire que c'est hyper dangereux, hyper toxique, rien ne nous le dira. Sauf que nous, nous le saurons, et que c'est comme si ça imprégnait les corps, exactement comme une rencontre amoureuse. exactement. Et donc la métaphore était née entre mmh. la toxicité et, la, et le danger de la, méta, de la, de la rencontre amoureuse. Mmh. Voilà. Et c'est comme ça que le, 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 le décor est venu. c'était un décor exceptionnel. Ouais. Et j'ai découvert effectivement plein de choses, parce qu'il y a, pour répondre à la deuxième partie de votre question, euh, la manière de travailler, c'est une manière très euh, documentée. Mmh. On ne peut pas arriver dans ce lieu-là de ouais. manière... Euh, euh, comment dire, j'allais dire... Euh, amateur, quoi. Ouais. On est obligé de connaître un tout petit peu, donc j'avais... Fait un travail qui, moi, que moi j'adore parce qu'en tant qu'universitaire, je fais tout le temps des notes de bas de page. Donc j'avais lu beaucoup de choses, j'avais rencontré des, des, des spécialistes. Mm -hmm. euh, on a eu un conseiller technique très présent qui m'a mm -hmm. beaucoup plu, qui s'appelait Claude Dubou Je me souviens encore de lui. Son livre, ça s'appelait Bob le décontamineur. c'est un livre à compte d'auteur. Et bon, voilà, c'était passionnant de, de rentrer dedans. Mm -hmm. Et j'ai découvert beaucoup de choses sur le milieu du nucléaire, notamment que notamment, j'étais moins inquiète après qu'au début. Mm -hmm. Parce que quand on connaît bien quelque chose, on en a moins peur. C'est comme quand on prend l'avion et qu'on a peur de l'avion, quand mmh. on ne le connaît pas. Mmh. Puis on fait un stage où on apprend pourquoi ce bruit fait ça, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce modèle d'avion, et on mmh. finit par être rassuré. Ouais. Voilà. Let's move on to Planetarium which is an extraordinarily ambitious film which talks on many different levels about everything from politics to spirituality to the world of cinema talk about how that idea came together because it really does bring together all these things which were happening somewhat simultaneously C'est difficile pour moi de me replonger peut-être que j'ai une lecture euh D'abord, j'ai les lectures biaisées aussi en fonction de la réception des films. Ouais. Ce film-là, par exemple, il a, été, euh, il a, ça a été un bid. Et c'est un film qui n'a vraiment pas marché. Mmh. Et j'en ai comme une certaine affection, comme avec un enfant handicapé. Ouais. J'ai une espèce, espèce d'affection euh, de l'ambition de ce film. Je reconnais aussi que comme cette ambition elle a été très sanctionnée, ça m'a amené aussi sur d'autres territoires de cinéma mmh. après. Mmh. Euh, et et peut-être que dans dix ans, quand je me retournerai vers les films que j'ai faits, je me dirai tiens là j'ai raté quelque chose qui pouvait m'amener sur un tout autre, euh, dans un tout autre cinéma. Bon, mais l'origine de ce film, elle est euh, d'ailleurs, je pense que le film le porte et que les spectateurs l'ont senti. On n'a pas envie d'aller voir quelque chose qui respire la peur. Mmh. C'est un film qui est né de ma, de ma crainte, de ma peur politique. C'est un film qui est né d'une peur sur euh, le. Je crois même d'une peur ontologique. Est-ce que je me posais la question? de savoir si la fabrique des images n'était pas en train de nous condamner quoi mmh. et je crois que l'avenir m'a donné raison c'est-à-dire mmh. j'avais peur l'origine vraiment du film c'est le cinéma film des fantômes mmh. à l'époque quand c'était en analogique on savait au moins que ça avait existé mmh. c'est-à-dire on filmait voilà le, le cinéma enregistrait la trace de quelque chose qui était devant nous aujourd'hui la pensée du soupçon mmh. du complot ouais. Euh, la remontée des nationalismes des populismes euh, des antisémitismes qui est un sujet qui m'était très, très cher euh, nous amène à, à douter de l'image qui a eu lieu et donc le film est né de cette peur là et j'ai voulu questionner avec un grand sujet de cinéma mais qui est un sujet très très ambitieux, j'ai voulu me demander comment est-ce qu'on peut à l'ère du numérique dire la vérité <laughs> peut-être c'était un peu ça ça paraît, oui. vous comprenez que le film n'est pas marché mais, mais en tous les cas, il est né de ça. Et après, il est né du désir de filmer aussi Nathalie Portman. Je savais que Portman arrivait. On était amis, à l'arrivée en France. J'avais un sujet comme ça qui parlait d'une spirit américaine. Mm -hmm. euh, très rapidement, elle est rentrée dans le process du film. Souvent, j'inclus hein, les acteurs très tôt. Et mm -hmm. puis, vous avez compris que j'aime bien inclure les gens tôt. Mais... Donc, voilà. Donc, ça a modifié aussi l'équilibre du film. D'un coup, mm -hmm. j'écrivais en pensant à elle. Et puis, et puis, et puis l'idée de travailler avec une caméra exceptionnelle qui était une, une Harry 65. Donc, c'était comme du 70 mm, mais en numérique. Donc, c'était devenu quasiment le centre du film à un moment. <laughs> Je disais, donc voilà, c'était une question technique qui était là. Ouais. Bon. Et puis, se superposer, en gros, le désir de faire un film sur le cinéma, comme La Nuit américaine ouais. le désir de raconter une ambition folle d'un producteur qui était une histoire. Puis, chemin faisant, j'ai compris que l'histoire qui m'intéressait, c'était l'histoire de ce producteur ouais. euh, juif de l'entre-deux-guerres, Corben et sauf que sauf que ça nous arrive souvent de nous rendre compte que le personnage qui nous intéresse n'était pas celui du début et que le héros est pas celui qu'on pensait mmh. sauf qu'entre temps j'avais demandé à Nathalie de faire le film j'étais trop heureuse de la filmer mais je pense que si j'avais dû écrire le film avec euh, avec euh, en allant au bout de mon sujet mmh. le héros du film c'était ce producteur euh, qui se retrouvait piégé là-dedans et où leur histoire d'amour je ne sais pas donc j'ai eu une, une le désir de, de répondre à une question de cinéma et une question de politique avec mm -hmm. ce film et peut-être que du coup on est un peu loin d'une question sentimentale. Mm -hmm. I find the treatment of Corbin really fascinating because especially seeing him, this Jewish character who's looking to believe in something as everything around him that he believes in is falling apart. It's kind of a very interesting and you know he chooses Spiritism but still this idea of wanting to believe in something. Ah oui, c'était ça. <laughs> Tout ça étant une espèce de pensée sur le storytelling, sur le, la fiction, la foi, la croyance, mm -hmm. euh, le fait que l'amour soit une, 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 une croyance fictionnelle consentie à deux. Au fond, chaque histoire d'amour est une fiction à laquelle on consent l'un et l'autre. Mm -hmm. Et lui et dans le cinéma. Il avait lui en tant que producteur. Alors évidemment, plus dans les années 30, je voulais que ce producteur soit comme. Je me suis beaucoup identifié à lui. Oui. Dans les années 30, le, le, le poète, c'était le producteur et le réalisateur était l'artisan, le, le technicien. Ouais. Donc, euh, donc dans, le, dans, le, dans le film, je vois vraiment un artiste, en fait, euh, euh, comment dire, s'abîmer dans une foi, une croyance euh, illusoire. Mm -hmm. ouais j'étais passionnée par le personnage. Ouais. Et en plus, après, pardon, euh, oui. c'est quelqu'un, il se trouve, en deux mots, parce que les gens n'auront jamais vu ce film et ne le verront jamais, mm -hmm. c'était... Euh, euh, Bernard Nathan, mmh. elle, ouais. voilà, Corben, est, un, est un, le héros du film de Planetarium, est, un, est inspiré d'un personnage qui a été, ah. dans l'entre-deux-guerres, ouais. un producteur euh, Pathé. très célèbre ouais. de pâté, qui avait racheté pâté. Parce ouais. que les frères pâté pensaient que le cinéma était euh, une industrie euh, qui n'allait pas euh, prospérer, mmh. ils pensaient que c'était euh, un gouffre financier, bref, ils voulaient se débarrasser de leur société, mmh. et ils l'ont vendu pour une bouchée de pain à Bernard Nathan, qui a fait de pâté ce que pâté est devenu. Et ensuite, les lois anti-juives en France ont fait qu'il n'a plus pu travailler. Il a été, en tant que juif étranger, euh, l'un des premiers dans les, dans les convois euh, ouais. de, la, de, la, de la collaboration. Enfin, le, 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 il a été assassiné à Auschwitz avec euh, l'aide de Vichy. Mais voilà, ça a été un membre puissant, important. Ça a été producteur d'Abel Gans. Euh, voilà, c'était vraiment un producteur très, très, très important euh, de l'entre-deux-guerres. Je me demandais si la référence était directement à. Uh, ah oui, complètement, yeah, clairement. No, C'est clairement inspiré because, de son, son yeah, existence. Right. Je suis revenue dans les notes, les minutes <laughs> du procès. Il euh, y a des, des images précises, absolument. Et comment voulais-tu laisser l'audience en termes de spiritisme Vous voulez laisser la question ouverte sur whether or not. C'est Kate ou si voulais-tu laisser comme juste un show Non, moi personnellement, non j'ai plus de plaisir à l'idée de l'artifice. J'ai plus de plaisir dans l'artifice que, que 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 dans le, 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 le frisson de me dire que peut-être ça existe. Mm -hmm. Enfin voilà, je suis une athée. Je suis vraiment une, une non croyante. <laughs> je suis une non croyante des fantômes aussi lié au fait que j'ai pas eu de mère enfant. <laughs> je suis une non croyante des fantômes, une non croyante dans le religieux. OVNI. Euh... <laughs> oui non. Mais mais par contre, je, je, je suis tellement cartésienne que j'intègre une part d'irrationnel. C'est-à-dire que je pense que que Tant que quelque chose n'est pas falsifié, ça n'est pas scientifique. Mm -hmm. Vous Connaissez la théorie de Popper. Mm -hmm. Donc c'est un, donc c'est donc je crois aussi que nous sommes en 2022. <laughs> si cette vidéo est exhumée dans 200 ans, que les gens sachent que je savais qu'on ne sait pas tout maintenant. Mm -hmm. Voilà. Et qu'il y a des choses qui vont exister auxquelles on n'a pas accès, y compris sur les puissances de l'intellect. Et donc dans le spiritisme, je ne crois pas que les morts existent. En revanche, je crois une présence, une une. Je pense qu'on est on n'est pas encore au bout de ce que la science va nous de révéler mm -hmm. de, de, de persistance dans les lieux dans les pierres de, de voilà de nos sons de, nos, de notre matière ça oui je veux bien croire j'y connais rien je veux bien croire que ça qu va nous révéler plein de choses dans les, dans les centaines d'années à venir oui. mm -hmm. mais non je voulais que ce soit clair. Mm -hmm. For your next film uh, a difficult girl milieu of Bellepin. Mm -hmm. And what was it like for you to go back to that, not really it's not the same story but the same milieu in a way of young people, their problems whatever. Were you able to sort of in a certain way rethink certain things that you did in your first film? Ah, c'est drôle. J'avais pas du tout pensé, j'adore. <laughs> non, c'est juste des c'est des jeunes gens mais c'est ouais. pas c est, c est, le milieu n'a rien à voir d'un côté on a ouais. un film mais effectivement pour aller plus vite parce qu'en plus ça, je vous prends du temps. le, le peut-être que une fille facile et le versant solaire. Mm -hmm. Euh, d'urne euh, et, euh, et de plaisir de Belle Épine qui serait euh, nocturne euh, plein de souffrance on va dire c'est le versant séfarade de, de Belle Épine qui est le versant ashkenaz en plus elles sont toutes euh, vraiment, euh, a, elles, sont, elles, sont, elles sont maghrébines dans le film ouais. elles sont, donc, euh, donc euh, l'arabité quasiment le, médi le côté méditer méditerranéen méridional du film euh, bah, les, euh, une fille facile est effectivement comme euh, la deuxième euh, voilà ils peuvent se lire euh, en diptyque mmh. et, euh, et entre temps ça va mieux <laughs> je préfère vivre dans le plaisir de l'été d'une fille facile bon. ouais. mais ces choses étant dites la, 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 une fille facile est née de quelque chose de très très précis et mmh. de très modeste qui était la rencontre d'une femme ouais. c'est en rencontrant cette actrice Zayadéhar même j'allais dire en l'écoutant que est né le désir du film J'étais, il y, y a toujours deux origines hein, d'un film il y a une, une origine euh, conjoncturelle c'est à dire euh, j'étais en train de préparer une mini-série je me suis dit ça va me prendre un temps fou j'avais très envie de réaliser un film avant donc ça je me dépêchais d'avoir envie de tourner un film et une, et un, une origine euh, euh, artistique, éthique euh, de, de voilà euh, de, 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 secrète du film et ça c'était la rencontre avec et sa, et sa voix et sa voix m'a passionné m'a fait penser à Eric Romer. Et m'a fait penser à la collectionneuse d'Éric Romer, qui est le mmh. film de Romer que moi j'aime le plus. Mmh. Parce que souvent j'aime les films les plus faciles des auteurs. J'aime pas le film obscur et compliqué à suivre, j'aime le film de plaisir. Et euh, si bien que la collectionneuse, c'est vraiment un film que j'adore, que je chéris. Et est née très rapidement l'idée de faire une espèce de, de, de dialogue entre la collectionneuse de Romer et cette jeune femme, qui, a, qui était à l'opposé de ce qu'on peut imaginer ouais. d'un personnage filmé par Romer, parce que Super Bimbo, Cagole. Euh, avec euh, une poitrine insensée, euh, des jambes cambrées, des lèvres folles et tout, et très contemporaine, hein, y compris dans le fait qu'on voit bien qu'il y a de la chirurgie esthétique dans le visage, et qui qu sont des visages qui sont jamais regardés par le cinéma d'auteurs français, mmh. parce qu'il y a une espèce de. Une, on les trouve pas chics peut-être, ou c'est compliqué de projeter, ou j'en sais rien, mais en tous les cas, moi ça me passionne. Et surtout, cette femme-là me plaisait, quoi tout simplement. Et donc voilà, c'est comme ça que le film est né. Et en effet, c'était un coming of age, c'était l'adolescence, mais une adolescence plus ouverte, plus solaire, plus sexuée, plus... une adolescence qui allait mieux, quoi, <laughs> qui était plus heureuse. Après ça, tu did commencé, comme as you mentionné, à faire une série TV. Series. Uh, oui. Qu'est-ce que c'est de travailler dans une série multi-chapter Qu'est-ce que like working travailler sur quelque chose qui va beyond the limits mm. of a feature film, en termes de votre propre writing, en particulier Et with travaillé avec l'auteur de l'original oui. novel aussi. Oui, je dirais que c'est ça le truc le plus intéressant dans le. J'ai pas renversé mon mode de fonctionnement pour le, la série parce que c'était de la mini série et mmh. une mini série c'est mmh. très différent de la série. C'est-à-dire ouais. dans la mini série, un peu comme Carlos de, de ouais. Sayas, on a la liberté. Enfin, les, la comparaison s'arrête là modestement, mais on a la possibilité de, de comment dire, d'être maître absolument de son, de sa durée. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas pris pour plusieurs saisons, mmh. on est responsable de sa direction artistique, de l'écriture, euh, de la post-production, et, euh, et j'ai filmé l'intégralité des épisodes. Mmh. Je n'ai pas euh, réalisé le premier puis donné à réaliser à d'autres. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir réalisé un très long, long, long métrage. Mais euh, Et puis d'avoir travaillé avec les acteurs de la même manière, de, pas les avoir, de les avoir choisis de la même manière, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui changent, c'est dans l'écriture. Et dans l'écriture, oui. Il euh, y a une certaine. Euh, la chose la plus importante, c'est que j'ai travaillé une matière qui n'était pas la mienne, mais qui était celle de l'auteur avec qui je travaillais. Donc c'était son projet quasiment plus que le mien. Et j'ai adoré ça. Parce à <laughs> un moment où on est tellement fatigué de soi-même que n'importe quel truc qui vient pas de nous, on l'adore. Et surtout quand c'est très fort, comme le roman de Sabri Louata, qui est un, un roman en quatre tomes. Et ensuite, on a travaillé avec d'autres auteurs et j'ai adoré ça à nouveau parce que mm -hmm. plus on était nombreux, euh, moins j'avais à travailler. <laughs> non mais. Plus on était, voilà, on, on ajoutait et, euh, et d'une certaine manière, ça défétichisait aussi le rapport au scénario. Mmh. Et j'ai aimé le fait que certains épisodes aient été intégralement écrits par, voilà, à partir du moment où les arches étaient lancées, comme on, ce qu'on appelle les arches que tout le monde connaît maintenant. Là, le, le la direction totale de, de la série était lancée. Je crois que pour les deux derniers épisodes, c'est Benjamin Charbi qui les a écrits avec Sabril Wata. Et moi, je les ai pas écrits. Ça m'a plu et j'ai pu les tourner quand même. C'est des choses qui auraient pas été envisageables je pense, avant pour mm -hmm. moi. Donc ça enlève un certain fétiche euh, au scénario. Et tant mieux. Mm -hmm. euh, ça nous permet de comprendre les deux, d'avoir mm -hmm. et le rapport obsessionnellement personnel et familial <laughs> à son à sa matière, mais aussi de l'envisager comme avec un peu plus de distance et in all of your films and your mini-series, there's a kind of, see if i can describe this well or accurately, a kind of consciousness of multiculturalism of france as a place where there are many different groups, although it's rarely the subject of the film, but it's very much a, a theme that sort of mm -hmm. w runs underneath the films. could you talk about that or how do you react to that observation? Just how you oui. mentioned now about how, uh, and he, uh, in femme facile, you know, uh, you know, comes from the Sephardic world as opposed to. Oui, non, mais là. Non, no, je pensais que c'était Oui, merci. J'avais pas, pas pensé. Non, disons que j'aurais pas dit. D'abord, je suis surprise que vous, que vous notiez que dans mes films il y ait une certaine. Je vais formuler les choses différemment. Je ne sais pas si c'est du multiculturalisme parce que, mais je pense qu'il y a une certaine pensée du minoritaire oui. dans mes films. Et, euh, et qui est liée à, à mon expérience de la minorité. Alors, est-ce que c'est le fait d'être une réalisatrice dans un monde plus masculin, même si en France, on est très... Est, euh, je parle d'un endroit euh, qui est extraordinairement euh, confortable pour faire des films. Euh, il fait bon faire des films hommes et femmes confondus en France, mmh. pour encore un peu de temps peut-être, mmh. il faut se battre, et, euh, et donc en tant que femme aussi, mais on reste minoritaire. Euh, je pense que ma judéité fait de moi quelqu'un qui a l'expérience de la minorité, d'une minorité, euh, j'allais dire pas ethnique, mais religieuse, culturelle, hein, dans un monde, dans un pays. Et puis euh, mon lien très fort à la culture queer. Mmh. Je sens euh, euh, une affinité de culture. Euh, dans la littérature, dans, dans le, dans au cinéma, euh, avec cette culture-là, voilà, il se trouve que vraiment les auteurs qui m'ont construite de, euh, de Gide à Proust, euh, Zonta, Guibert, je euh, sais pas que des P.D. que des homosexuels. <laughs> je suis, je suis construite par une littérature homosexuelle, enfin j'allais dire Woolf, place parce que je l'aimais, voilà. Euh, je suis, et construite par un certain cinéma aussi euh, euh, gay. Donc cette pensée du minoritaire, elle fait partie de ma vie et je pense que quand je construis les personnages, je les construis voilà avec euh, cette idée-là. One great pleasure of both your série et and your most recent film The Children of Others is seeing the actor Roshdi Zem, who's mm. just a favorite of mine and just great to see him in what I consider really uh, true roles that show off his great range as an actor. Can you talk about working with Roshdi and especially in the most recent film? Ouais. Bah, j'ai travaillé donc deux fois avec lui maintenant. Ouais. C'est vraiment devenu un allié très fort pour moi. Et d'ailleurs, pour être parfaitement honnête, le dernier film que j'ai fait, qui pourtant est un portrait finalement d'une femme, d'un trajet de femme, vous le verrez, ouais. pour ce que, pour, en septembre, le, le, le film est né euh, au départ d'un film qui devait être porté par Roshdi. Mm -hmm. Donc le, vraiment, l'origine le, le, du film, c'est avant même de savoir que Virginie fira et Kira Mastroianni seraient dans le film, je savais que Roshdi Zem serait dans le film. Ce qui est surprenant quand vous verrez le film, puisque l'héro, l'héroïne est une héroïne et pas ouais. plutôt Roshdi. Bon, on avait, et quand euh, dans, la, dans la série Les Sauvages, c'est le président de la République quand même. Mmh. Donc c'est un personnage, mmh. oui. on a construit une, une alliance mmh. autour d'un personnage narcissisant pour lui, dans, <laughs> euh, voilà, <laughs> lequel il, il était content. Et moi j'étais très heureuse de ça. Donc on, on, quand on a fabriqué Les, le, le, les Enfants des Autres, l'origine du film c'était une adaptation d'un roman de Romain Gary que j'ai pas réussi à faire mmh. et qui était un roman sur l'impuissance masculine. Mmh. Et ce qui me plaisait, et, donc, et immédiatement c'était avec Rochdi qu'on voulait le faire. Non pas que Rochdi soit impuissant. Mais, mais au contraire, Rochdi incarne une puissance sexuelle colossale y compris dans son arabité mm -hmm. avec le stéréotype mm -hmm. de cet arabe qui, et, ouais. et, et de l'érection de l'homme arabe qui est vraiment euh, un cliché euh, postcolonial euh, terrible qui a la dent dure, enfin une représentation éculée mm -hmm. de la sexualité voilà. et, et de la même manière j'allais dire que Marcello Mastroianni quand il fait le Bel Antonio mm -hmm. je pense que quand Mastroianni fait le Bel Antonio alors qu'il sort d'une espèce de, 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 de moment de, de gloire dans mmh. le cinéma italien mmh. euh, et qu'il incarne l'homme italien mmh. dans ce qu'il a de plus euh, viril euh, séduisant euh, imparable et de décider de jouer ce rôle d'impuissant mmh. c'est une idée de génie et qui est vraiment à la hauteur du, de, de, mmh. de l'acteur qu'il était parce qu'à un moment il a voulu casser quelque chose et je pense que rochdi et moi avions le désir d'interroger la question de l'impuissance mmh. de la construction de la virilité de la construction de la, de la sexualité pour un homme dont on parle peu, etc. Et, et je le trouvais très beau. Euh, au, je le trouve au. au comment dire. Euh, au, au, au climax de sa, de, so de sa séduction et de son mmh. érotisme, je disais mmh. euh, Donc voilà, on a voulu faire ce film-là, et moi, je n'ai pas réussi à l'adapter, à parce qu'en fait, je ne cessais de penser, je vais parler d'un homme impuissant qui a un problème d'érection, et je me disais, mais cet homme-là, c'est moi, en fait et je parlais du ça m'a amené à parler de ma propre impuissance. Mmh. Et cette impuissance c'était à l'époque j'étais une femme sans enfant mmh. et euh, j'étais quand même déjà suffisamment âgée pour en avoir voire pour ne plus pouvoir en avoir et euh, et j'interrogeais cette limite, cette deadline que je trouvais euh, injuste. Mmh. Et ça m'a amené à questionner ma propre impuissance qui était celle d'une femme de 40 ans qui n'avait pas d'enfants qui en voulait un et qui était moi ma vie c'était d'être je suis désolée de faire ce détour par ma vie privée mais c'est la première fois que je parle du film d'ailleurs parce qu'il n'est pas encore sorti je pense que je vais en parler différemment après mais euh, voilà qui qui était qui élevait des enfants qui était une, une, une belle mère aux États-Unis vous avez deux façons de le dire en France on n'a qu'une façon oui, belle mère ouais. voilà nous c'est belle mère belle mère mm -hmm. c'est step mom et mother in law, mother -in -law. And c'est la même chose, il existe pas le mot en France, yeah. alors qu'il existe la fonction. Yeah. Et j'ai fait un film sur un personnage secondaire qui était ce personnage -là. Yeah. Voilà. Something that actually struck me when I saw the film is how it has, again, links to a lot of your other films in that, once again, it talks about the creation of these kind of problematic families. I mean, and it's very much a contemporary problem, or situation, I should say, mm. where you fall in love with someone and part of that bargain... Becomes having to establish a relationship with their children, hmm. and indeed, in a lot of your films, I mean, you think even of Planetarium. it's This kind of family that's formed between ah, oui. you know the sisters and the family qu'on qu'on Right. So in a way, it's it's a very contemporary theme, and I thought it was played out in this film in a, an interesting way, and one that I've I've seen you know in several friends of mine that problem in a way of having to fall in love with the children of your partner. Hmm. Je sais, je sais pas. Je mmh. sais pas si c'est un sujet euh, qui existe souvent chez moi. Je crois que ce qui me, mais j'ai pas assez de recul là pour. Il euh, faudrait que je. Mais je pense que. Et puis pour répondre complètement à votre question sur Roche Dizem, ce qui m'intéressait c'était de lui donner un rôle d'amoureux. Mmh. Voilà, c'est un homme qui a une certaine euh, comp complexion et qui même pardon et qui et qui souvent joue des rôles secrets fermés euh, de flic de voyou de voilà d'une certaine archétype qu'on colle à lui. Mm -hmm. mais des rôles de d'homme amoureux qui porte une cravate parce qu'il sort de son métier d'ingénieur c'est rare mm -hmm. et ça m'avait et ça m'avait plu parce que je le voyais vraiment dans sa vie civile être un homme amoureux, un homme euh, qui avait des conversations voilà. Donc, ça, premièrement, c'était aussi, ça me plaisait énormément de renverser le regard sur Roche Dizem, et notamment dans une ou deux scènes où on le voit vraiment être détaillé par la femme qu'il aime, dans une espèce de revanche hein, que je prends en tant que cinéaste, sur ces moments où on voit une femme prendre une douche et le type la regarde et dire que tu es belle. Là, les scènes sont inverses, quoi. Mais bon, c'est pas pour faire la maline, c'est juste que ça me plaisait. Mmh. Et après, sur la reconstruction des familles ou le choix, je crois qu'en fait, peut-être que ce qui m'intéresse et Je suis une vraie libérale en ce sens, mmh. c'est d'aller chercher les personnages et de les pousser dans leur, dans leur maximum de la liberté qu'ils puissent avoir sur leur vie. Et, et aussi, dans, malgré tout, il y a des espèces de coups d'arrêt, il y a des événements auxquels on ne peut rien. Perdre sa mère dans Belle Épine, euh, de, de, le, le, la montée des nationalismes dans, dans le Planétarium, euh, un, une, une intoxication euh, de, de, de euh, comment dire. Euh, Gazeuse dans grand central, <laughs> nucléaire, euh, dans Une fille facile, ta le tarif d'une prostitution à un moment qui, qui, est, qui est payé. Bon. Donc voilà, il y a des événements comme ça qui nous arrêtent. Et là, dans Les enfants des autres, c'est la deadline d'une fertilité. Mm -hmm. Et je crois que je suis faite. Peut-être ce qui m'intéresse toujours avec le cinéma, c'est de filmer que quelque chose d'invisible est possible mm -hmm. ou pas possible. Parce que c'est invisible une fertilité. Ouais, ouais. C'est invisible même le process d'être enceinte. Ouais. Et moi, j'ai tourné ce film en, étant, en attendant un enfant. Je pensais que j'en aurais pas et en fait, je suis tombée enceinte en fabriquant le film, évidemment, et donc je, je, et donc je faisais le film et j'attendais cet enfant. Mais les gens ne le voyaient pas. Seulement moi, je le savais parce qu'au début, pendant longtemps, ça se voit pas. Et c'était très particulier, c'était très lié à ce qu'elle a mis en scène. C'est-à-dire vraiment, on a cette espèce de zone invisible qu'on doit faire advenir, qu'on est en train de fabriquer, etc. Après, la comparaison s'arrête là. parce que je déteste, les gens qui disent un film, c'est comme un bébé, etc. Pas du tout. Je <laughs> reste, rien à voir. Ça n'est pas du tout la même chose. Mais donc voilà, c'est pas pareil. Mais oui, j'aime l'idée qu'on puisse construire en tous les cas. Mm -hmm. J'aime tout ce qui nous éloigne de notre bestialité. Mm -hmm. J'aime tout ce qui nous humanise. Mm -hmm. C'est-à-dire de pouvoir, et ça, et ça me détermine aussi politiquement, mm -hmm. je suis pour tous les trafics consentis et encadrés légalement, ouais. pour avoir des enfants, ouais. pour euh, tomber amoureux avec des personnes du même sexe, pour être à plusieurs, pour avoir une famille. Pour être... Je suis pour tout ce qui marche et qui nous sort de ce qui est le, la norme, le naturel, qui est dont on le sait euh, profondément injuste. Donc euh, j'aime tout ce qui est tout tout ce que nous donne comme possibilité l'artifice mm -hmm. pour euh, pour fabriquer de la de la bonté de la vérité et de la justice. And if I can, as a kind of final question, can I ask you to just think for a moment or tell us a little bit about your thoughts of the future of cinema here in France and just everywhere? Alors très excitant très compétitif parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une émergence très forte comme ça d'une d'une compétition quoi <laughs> il y a vraiment comme un monopole qui aurait été perdu et ce sont des moments d'exaltation de remise en question euh, de de course contre la montre aussi et donc voilà je vois l'avenir de manière plutôt très radieuse j'ai l'impression qu'il y a un grand besoin de contenu et qu'il y a une lutte par les gens comme moi et vous à l'idée de, de de rester dans le mot cinéma et fiction même dans la série et de pas aller dans le flux narratif d'images. Mm -hmm, et mm -hmm, j'ai l'impression mm -hmm. qu'il faut réinventer des mots. Mm -hmm. Repenser les catégories dans lesquelles on est pour proposer les expériences dans lesquelles on, on, on a été nous heureux et qu'on veut transmettre. Mm -hmm. Bon. Thank you so much Rebecca. It's really been a pleasure It's speaking been a pleasure with, a pleasure with you. And thank you, And Sorry thank you very my, much for my speaking in French. Great speaking with you. <laughs> and let me say thank you to all of you who've been watching this conversation and i hope you'll join us for future conversations in this ongoing series uh, produced by unifrance thank you